Le principe des sportifs de haut niveau, ça va être d'être toujours très très proche de cette ligne-là, sans jamais la dépasser. Et quelles sont les capacités maximales? Est-ce qu'elles restent les mêmes ou est-ce qu'elles diminuent parce qu'il y a quelque chose dans le mode de vie de la personne qui va changer? Genre prendre un confinement dans la gueule. Un confinement dans la gueule. Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce cadre idyllique qui est ma voiture. Aujourd'hui, je vous propose un épisode 4 de EB Presque. EB Presque, c'est du podcast vidéo, donc vous pouvez regarder. EB Presque, c'est quoi? C'est l'abréviation de l'évidence based practice, pratique basée sur les preuves scientifiques. Et pourquoi le presque? Eh bien, parce que en fait, nous, en tant que professionnels du sport et de la santé, c'est un vrai calvaire de lire la littérature, de lire la littérature scientifique, d'essayer de voir avec notre propre expérience et de faire en fonction de nos patients. Le modèle de l'EBP, c'est donc ça, c'est trois cercles, la littérature scientifique, notre expérience et les patients. C'est toujours en permanence d'essayer de trouver une forme de vérité entre ces trois choses-là. Donc ça donne des conversations passionnantes avec des professionnels du sport et de la santé. C'était pas du tout prévu dans cet épisode-là, je suis en formation, je ne sais pas si vous le savez, je suis formateur en thérapie manuelle et j'ai créé ma formation il y a maintenant 3 ans qui s'appelle « Sans exercice pour vos patients » à destination des kinés, des ostéos. Petit spoiler, je suis en train de réfléchir à une formule pour la faire au grand public. C'est dans mes projets pour 2021. Eh bien, à la fin de la formation, j'étais avec mon copain Emeric et on a commencé à parler de l'épaule. Lui, il est kiné, ostéo, crossfitter, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo-là. Il m'a proposé « Greg, j'ai une explication assez simple que je donne souvent à mes patients sur pourquoi ils ont mal à l'épaule et comment est-ce qu'on peut le corriger. » Et comme souvent, bah quand vous mettez deux kinés ensemble, ça discute. J'ai sorti mon téléphone en discret, je lui ai dit « Emeric, je peux te filmer ?» et ça a donné ça. Excusez-moi pour la faible qualité de la vidéo, mais j'aime toujours cette idée de se dire que les meilleures conversations, c'est souvent celles qu'on a quand on n'est pas filmé. C'est le but du jeu de Bpresse, du contenu vrai, sans chichi, mais du vrai contenu quali. Donc bon visionnage, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez juste l'écouter en audio. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Donc, la difficulté que nous, on va avoir aussi bien en rééducation que dans le milieu du sport, ça va être de naviguer en permanence entre ces deux limites. Si on la dépasse, on risque de se blesser, mais si on n'en fait pas assez, le corps ou le tissu va se désadapter. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, ça va être de contrôler qu'est-ce qu'on fait en rééducation ou dans notre sport. Ça, c'est bien fait. On a tendance à ne pas assez prendre en charge ce que va faire la personne dans sa vie en général, à ne quasiment pas prendre en charge comment est son mode de vie. Et du coup, des fois, on va avoir des personnes qui, en termes de contraintes, vont avoir toujours les mêmes, mais qui vont avoir une courbe max qui va spontanément diminuer parce qu'ils vont avoir une dette en sommeil. Du coup, une personne qui va faire son 10 km habituel et va se blesser et qui va chercher à comprendre pourquoi ce jour-là elle s'est blessée alors qu'elle avait l'habitude de courir de la même manière, c'est juste parce qu'elle a une dette de sommeil ou parce qu'elle a pris une seule fois une pute à la capote ou peut-être que son alimentation, elle devient carencée parce qu'elle attaque un nouveau régime. Ou alors qu'émotionnellement ou qu'en termes de stress, elle est crevée ou qu'il y a un truc qu'elle a mal digéré. Exactement, exactement. Et donc ça nous montre une fois de plus deux choses à prendre en compte. Quelles sont les quantités de contraintes qu'on met? Et quelles sont les capacités maximales? Est-ce qu'elles restent les mêmes ou est-ce qu'elles diminuent parce qu'il y a quelque chose dans le mode de vie de la personne qui va changer et qui fait qu'elle ne sera plus capable d'encaisser ce qu'elle a l'habitude de faire depuis longtemps? Genre prendre un confinement dans la gueule. Et toute la finesse et la complexité, en fait, ça va être de naviguer en permanence dans cette zone-là. Et le principe des sportifs de haut niveau, ça va être d'être toujours très très proche de cette ligne-là, sans jamais la dépasser. Parce que ça va leur permettre de mettre une grande quantité de contraintes, ce qui va leur permettre de s'entraîner plus longtemps. Mais c'est pour ça que c'est aussi le propre du sportif de se blesser, parce qu'il est impossible de la frôler sans jamais la déplacer. Par contre, si j'apprends à la frôler, le jour où je vais la dépasser, ce sera tellement peu que les répercussions et que les conséquences seront infimes. Alors que si j'ai l'habitude de faire ça, le jour où je fais ça, je vais mettre beaucoup plus de temps à m'en remettre et à récupérer que si j'avais dépassé, parce que la limite était à 12 km et que j'ai fait 12,5 km. Et c'est là où la fameuse quantification du stress mécanique, elle est hyper intéressante, mais pour moi, elle n'était pas assez complète. C'est parce que le stress mécanique, on ne prend en compte que quel est le volume de course à pied que j'aurais fait sur la journée. Alors la course à pied est très pratique parce qu'elle permet facilement de quantifier la quantité de contraintes, mais elle va oublier quand même beaucoup plus de marqueurs qui vont être propres à l'individu, qui vont pouvoir expliquer des blessures qu'on aura. Mais alors, du coup, typiquement, prenons, c'est ta spécialité, l'exemple d'un crossfitter. Ouais. Beaucoup plus difficile d'évaluer chez un crossfitter la quantité de stress mécanique qu'il va mettre, par exemple, sur ses épaules. Ouais. Une fois qu'il commence à avoir des douleurs, tu lui dis quoi? De réduire son volume d'entraînement? S'il commence à avoir des douleurs, déjà, je vais regarder est-ce que dans son volume d'entraînement et est-ce que dans sa capacité, dans ses contraintes, il y a eu des variations. C'est un premier élément. Est-ce qu'il s'est mis à apprendre une nouvelle technique? Par exemple, tu prends l'épaule du crossfitter. Il y a des techniques au crossfit qui sont plus contraignantes que d'autres et qui vont du coup prendre plus de temps pour laisser du temps à son tissu pour s'adapter. Pourquoi? Ce que j'ai pas dit dans ma course, c'est que si j'arrive à rester ici assez longtemps,
la capacité maximale de mon tissu, elle va augmenter, ce qui fait que je vais ensuite pouvoir augmenter moi aussi la quantité de contraintes. C'est à ça que sert la quantification et la mise en charge progressive. Donc déjà, lorsqu'une personne apparaît, avant d'essayer de comprendre pourquoi, déjà savoir est-ce qu'il y a une variation. Donc dans tous les éléments qu'on a vus, le sport lui-même, son mode de vie, et ce qui lui permet de oui ou non récupérer. Et si ce n'est pas le cas, il faut regarder en effet derrière, est-ce qu'il y a d'autres contraintes trop importantes qui sont apparues suite à un déséquilibre, suite à un problème technique sur un nouveau mouvement qu'elle aura voulu apprendre, ou suite à des antécédents qui auraient pu être maltraités, qui jusqu'à maintenant étaient sous la courbe, mais qui globalement ont fini par dépasser ce maximum. Concrètement, est-ce que toi, tu as en tête soit des patients, soit des collègues au CrossFit qui justement ont commencé à avoir des douleurs d'épaule liées à un certain mouvement ou liées à des antécédents? Oui, clairement, si on prend l'épaule qui est une des articulations les plus atteintes au CrossFit, la suspension, donc globalement tout ce qui va être suspendu à la barre, les tractions, donc le butterfly et le keeping, qui sont les deux façons pour gagner du temps et de l'efficience en compétition de CrossFit de travailler. On a des toes to bar où on est suspendu. Tout ça, ça fait que globalement, une personne qui fait du CrossFit depuis peu ou qui augmente son volume va passer beaucoup plus de temps suspendu que ce qu'elle peut avoir l'habitude. Et ça, je trouve qu'on ne laisse pas assez de temps à nos épaules pour s'habituer à cette suspension. Tu penses que ce qui pose problème, c'est pas nécessairement le geste, c'est juste le fait de, en voulant acquérir ce nouveau geste, on passe beaucoup plus de temps suspendu que ce qu'on a l'habitude de faire? Ouais, par rapport à cette partie de la gymnastique, oui. Si c'était le geste le problème, tout le monde aurait des problèmes d'épaule en faisant ce geste-là. Pourquoi certains vont en développer plus que d'autres? Parce que oui, c'est un mouvement auquel on n'a pas l'habitude. Le confinement était un bon exemple. Les gens ont arrêté de se suspendre. Et moi, ensuite, j'ai eu des patients qui sont revenus avec des douleurs d'épaule parce qu'ils ont voulu reprendre quasiment la même quantité de temps suspendu à la barre avec la même technique que ce qu'ils faisaient avant. Mais non, l'épaule s'est désadaptée, a perdu sa capacité à absorber toutes ces contraintes. Et la suspension, c'est un truc qui, pendant le confinement, n'a pas été pratiqué. Les gens ont, par exemple, beaucoup fait de push-up parce que les pompes, c'était facilement praticable à la maison sans matériel. C'est à ça que tu fais référence quand tu parles de déséquilibre musculaire. Si, par exemple, on a beaucoup travaillé les push-ups et plus du tout les tractions, quand on retourne aux tractions, on a plus privilégié toute la chaîne antérieure à défaut de la chaîne postérieure? Ouais, donc là, c'est un autre problème. Donc là, il y avait le premier problème qui était le temps qu'on a passé suspendu. Et le deuxième problème qu'on retrouve au CrossFit, c'est le déséquilibre entre la musculature de devant et la musculature de derrière. Globalement, au CrossFit, et dans le membre supérieur, il y a deux grandes façons de travailler. On va soit pousser, soit tirer. Lorsqu'on pousse, on peut pousser dans trois directions. Du haut vers le bas, de l'avant vers l'avant et de haut vers le bas. On va pousser vers le haut, on va pousser vers l'avant ou on va pousser vers le bas. Pousser vers le haut, ça va être du push press, ça va être du pull jerk. Pousser vers l'avant, ça va être des push-ups, ça va être du développé couché. Lasso bike aussi pour certains. Ça va être lasso bike aussi. Et pousser vers le bas, ça va être les dips. Ces mouvements, on les retrouve énormément et dans une énorme quantité dans le CrossFit. Globalement, ils vont toujours faire travailler les pectoraux, différentes fibres, mais les pectoraux et les triceps. À l'inverse, on prend les mouvements opposés, ça va être les exercices de tirage. Une fois de plus, on va tirer du haut vers le bas, on va tirer vers l'arrière et on va tirer du bas vers le haut. Là, déjà, il y a moins d'exercices. Du haut vers le bas, ça va être les tractions. De l'avant vers l'arrière, ça va être par exemple le rameur. Et du bas vers le haut, ça va être le shrug en haltérophilie. Et la sobike aussi, le tirage. Le point important, c'est que si on voulait que ces exercices permettent de rééquilibrer ce problème entre antérieur et postérieur, il faudrait que chaque fois qu'on vient de tirer, on pense à venir fixer les omoplates pour engager au maximum. Sur la poussée, on avait un travail en synergie pectoral et triceps. Sur le tirage, on a un travail en synergie du biceps et des fixateurs de l'omoplate. Malheureusement, sur les tractions, commencer une traction par ce qu'on appelle un scapula pull-up pour engager le trapèze moyen inférieur, souvent elle n'est pas assez, voire mal réalisée. Souvent sur le rameur, les gens ont tendance à tirer beaucoup en biceps et à ne pas finir en travaillant leur fixation de l'omoplate. Ce qui fait que ces exercices, qui sont moins nombreux mais qui devraient aider à corriger ce déséquilibre, ne sont pas faits correctement, donc malgré tout, on ne tire pas le bénéfice de ces exercices-là. Et donc ça, c'est le deuxième point de problème d'épaule au CrossFit, c'est que malheureusement, il y a des équilibres antérieurs par rapport aux équilibres postérieurs. Ce déséquilibre, je suis d'accord avec toi. Moi, de ce que j'ai appris, c'est qu'il peut être esthétique. Oui. D'accord ? On va avoir plutôt des épaules entourées, la tête un peu antéprojetée. Mais pour autant, ce n'est pas forcément ça qui va être source de douleur. En quoi est-ce que ce déséquilibre-là, on le sait très bien qu'une chaîne antérieure plus développée ne crée pas de douleur sur une chaîne postérieure qui voudrait ramener le corps en arrière? Ce n'est pas le fait d'avoir la chaîne antérieure plus développée qui va être néfaste, ça va être ensuite les contraintes et la manière dont l'épaule va travailler. L'épaule, elle a une particularité, c'est qu'on lui demande d'être forte, mais en même temps très mobile. Elle est faite pour, et c'est pour ça qu'il y a des tendons spécifiques qu'on appelle la coiffe des rotateurs.
qui vont beaucoup travailler pour stabiliser et faire en sorte que l'épaule travaille correctement malgré sa grande mobilité. Le problème, c'est que de favoriser en permanence les exercices de poussée, on va avoir beaucoup plus de contraintes dans la même direction avec une coiffe de rotateur qui va devenir fainéante sur certains types de travail. Alors que si on a travaillé beaucoup plus le plan postérieur, ça nous permettrait aussi de rééquilibrer cette fameuse coiffe qui est aussi bien antérieure que postérieure, mais qui du coup n'est pas non plus assez sollicitée et devient trop faible sur ce plan postérieur. Ok, alors je te fais un peu chier hein, volontairement, on a tous les deux fait la formation de Sroor. En gros, ce qu'il nous explique là-dedans, c'est que le rôle de la coiffe des rotateurs, ok, la fixation des omoplates pour fixer les omoplates, pour amener de la stabilité, ok, mais que la coiffe des rotateurs a surtout un rôle de guidage et notamment de guidage cinétique et de réflexe. Donc en fait, ce qu'on n'a pas tellement de manière générale en crossfit, à la limite uniquement sur le butterfly, c'est ce côté vachement positionnement et réglage assez fin, mais dans de la vitesse et dans du réflexe, de la tête humérale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, pour moi, là, ça nous amène sur un troisième point de douleur d'épaule chez le crossfitter, ça va être la stabilité de l'épaule. Ouais. Et on a, autant on a vu la position overhead suspendue, autant au crossfit, on a une... beaucoup d'exercices de position d'overhead avec une charge au-dessus de la tête. Et pour moi, c'est le troisième point, ça va être un déficit de stabilité du coup de travail de cette coiffe. Parce que lorsqu'on est en position d'overhead avec une charge, globalement, la coiffe n'est pas assez efficiente, ne travaille pas assez pour stabiliser la charge dans toutes les directions. On dit la même chose. On dit la même chose, ok, donc c'est là que ça répond bien. Pour moi, c'était une troisième cause de blessure. Et à mon avis, au crossfit, bien que ce soit un sport que je considère très complet, ça manque des fois d'unilatéralité. On est souvent avec des barres, un petit peu avec des kettlebells et des dumbbells, mais beaucoup moins qu'avec des barres. Et du coup, lorsqu'on est tenu avec des barres, globalement, si mon épaule droite a un déficit de stabilité à cause de ma coiffe de rotateur, je vais toujours pouvoir compenser grâce à mon épaule gauche parce qu'elles seront liées les deux par cette barre. Du coup, cette coiffe-là ne va pas beaucoup plus bosser, alors qu'à l'inverse, des exercices avec des kettlebells et des dumbbells, là, la déstabilisation, elle va se faire et je vais être obligé d'activer ma coiffe à ce moment-là parce que si je ne l'active pas, il n'y a personne qui va pouvoir l'aider. Alors sur une barre, malheureusement, je vais pouvoir compenser. C'est pour ça aussi, dans un dernier point, que l'épaule douloureuse n'est pas systématiquement l'épaule à traiter. Parce qu'on peut aussi avoir des crossfitters qui se retrouvent avec des épaules douloureuses parce qu'ils sont obligés de compenser une coiffe fatiguée de l'autre côté. Et c'est pour ça que sur traiter la douleur et traiter l'épaule douloureuse, c'est intéressant. Mais il faut toujours aller voir, même si l'épaule va bien, parce qu'elle peut des fois aussi être la cause et non la conséquence. On est d'accord, tous les deux, on a souvent tendance à dire qu'il faut toujours évoluer dans le sport au rythme du maillon le plus faible. Ouais. Donc là, si tous les deux, on serait d'accord pour identifier un défaut d'activation de la coiffe, toi, tu dis qu'elle va être trop feignante, moi, je vais dire qu'elle va être sous-activée, mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'est-ce que tu proposerais comme exercice, du coup, avant le WOD, pendant le WOD, après le WOD, pour justement réactiver cette coiffe des rotateurs et pas se faire emmerder? Les trois. Alors, peut-être pas pendant le WOD. Avant le WOD, clairement, donc le WOD, la partie workout, la partie très cardio, pour moi, une fois qu'on est dans le WOD, on est avec une telle intensité, parce que ça reste une des particularités de CrossFit, c'est qu'on recherche quand même de l'intensité, on ne devient plus assez conscient de ce qu'on fait. Donc, c'est pas pour moi la meilleure période pour travailler. En amont du WOD, juste avant, c'est hyper intéressant parce qu'on va se laisser du temps pour travailler du coup soit sur ces déséquilibres par de la partie renforcement musculaire pur, soit sur de la proprioception de l'épaule. Et il y a plein d'exercices dans le crossfit qu'on peut utiliser, par exemple avec des kettlebells à l'envers et on va venir lentement presser en stabilisant, des exercices comme le windmill où on va venir pivoter autour. Il y a plein d'exercices qu'on peut intégrer aussi bien en échauffement, qu'on appelle dans le cash-in, ou alors même sur une première partie de renforcement pour activer, renforcer, stimuler cette fameuse coiffe. Ça, c'est le premier point. Pendant le WOD, pour moi, c'est pas idéal parce qu'on est dans le jus, qu'il y a un côté performance et on n'est pas vraiment là sur en train de faire de la rééducation. Une fois de plus, c'est la différence entre le sport santé et le sport compétition. Et par contre, après le WOD, ça peut être hyper intéressant parce que ça peut aussi permettre de venir travailler sous fatigue. Et ça, ça va être les personnes qui vont commencer à avoir des douleurs dans l'épaule, pas au bout de la première répétition, mais peut-être plus au départ de la 10e, 15e, à la moitié de leur entraînement. Et du coup, de venir, après avoir fait cette partie très cardio, retester, restimuler cette coiffe qui, au final, était très facile sur les 10 premières répétitions, mais ne va plus du tout l'être parce qu'on sera dans la partie fatigabilité. Est-ce que tu penses qu'on peut être à 100% efficace sur chaque WOD, sur chaque séance de sport, de crossfit ou de sport de manière générale? Alors, tout dépend ce que tu veux dire par 100% efficace. Se donner à 100%. Se donner à 100%, non. Mais de toute façon, la méthode CrossFit n'est pas prévue pour se mettre une balle pleine puissance rouge
éclaté, vraiment, parce que j'adore et beaucoup, on adore cette sensation. Oui, tu pratiques. Hein, oui, je pratique, absolument. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas prôné comme ça. C'est agréable, mais ce n'est pas l'idéal. On ne peut pas être en permanence à 100%. De la même manière qu'on ne peut pas aller chercher un max sur un squat tous les jours, un 1 RM, c'est de la même manière, on ne peut pas être en cardio en permanence à fond. Mais de toute façon, on le sait que ce n'est pas l'idéal. Et même une personne qui ferait ça, elle va beaucoup moins bien progresser qu'une personne qui, de temps en temps, se met une balle sur 10 minutes. Et de temps en temps, la même personne qui va apprendre sur 40 minutes à se pacer et à avoir exactement la même endurance élevée, mais la même fatigabilité, le même cardio, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, si ce qui est top, ça va être de travailler sur 40 minutes. Il faut qu'à la fin des 40 minutes, on soit capable de se dire « Ok, si je repars dans 5 minutes, je suis capable de refaire le même effort. » Et ce sera bien plus facile pour la récupération, pour éviter le surentraînement et le risque de blessure. Yes. Merci beaucoup, Eric. Tu parles de pacing, tu parles de régulation de l'effort. Ouais, c'est ça. Quand on dit se pacer, globalement, c'est réussir à trouver une vitesse de croisière tenable. On ne va pas avoir le même pace sur une séance de 10 minutes que sur une séance de 40 minutes. Et c'est là où le CrossFit est hyper intéressant. C'est de donner aux gens la capacité de travailler sur des périodes très courtes, mais aussi sur des périodes très longues. Mais malheureusement, partir trop, trop vite, trop fort, c'est ce qu'on retrouve très souvent chez les débutants dans le CrossFit. Alors, quand on est compétiteur, on apprend des fois à ralentir, pas partir trop vite, même si on se fait doubler. Et en général, c'est ceux-là qui, en fin de WOD, arrivent à récupérer parce qu'ils ne seront pas dans le jus, qui vont perdre moins de temps sur la transition, moins de temps de récup et qui vont pouvoir finir beaucoup plus facilement l'effort. Merci beaucoup.